J'ai pas de CV type. Je vais découvrir un CV et quelqu'un qui va avoir fait du commerce, par exemple, pourra peut-être venir travailler chez moi en production. Ce qui va me plaire, c'est on sent dans un CV tout de suite si quelqu'un est motivé ou pas. S'il a vécu déjà quelque chose, même si c'est des gens souvent qui vont sortir d'école, on va voir quand ils écrivent leur CV. Oui, moi je me suis investi dans mon rapport de stage, dans telle production qu'on m'a demandé de faire à mon école. Et tout de suite, ça se sent dans un CV. Et c'est ça, on voit que je vais retenir. Et c'est comme ça que je vais faire venir la personne en entretien. Il est de plus en plus difficile de trouver des gens polyvalents qui vont vouloir faire plusieurs petits métiers en un seul. Je vais prendre un exemple que je connais bien, qui est mon exemple à moi. Moi aujourd'hui, je suis directeur des opérations. Ça veut dire quoi? Je fais de la production, je fais de l'exploitation, je fais de la technique. Vous ne trouverez aucune formation qui va vous faire vous présenter ce métier-là. Aujourd'hui, et par souci d'économie, on va demander aux gens d'être polyvalents, de savoir faire un petit peu de ceci et puis un petit peu de cela. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile. Les gens s'attendent à avoir un poste et faire qu'un métier. Alors je pense qu'effectivement on a un problème sur les formations. Quand on reçoit des candidats, j'ai l'impression qu'on leur a donné une image du métier, une image du milieu qui est finalement pas la réalité, en tout cas dans des structures comme la nôtre. Et que voilà, les élèves, les étudiants qui sortent d'école s'attendent à un métier, s'attendent à un salaire aujourd'hui les prods ne sont pas capables de leur donner. Le candidat idéal, ce serait c'est quelqu'un déjà qui va devoir connaître les nouveaux médias, puisque aujourd'hui la télé, c'est plus l'écran qu'on a dans le salon, c'est la télé, c'est multi-écran. C'est les tablettes, c'est le téléphone, c'est évidemment la télé qu'on a dans sa chambre. Mais voilà, donc c'est déjà connaître toutes ces technologies qui changent très vite. Moi, en 10 ans, j'ai vu des choses changer du tout au tout. Avant, j'avais des cassettes, je montais avec ce qu'on appelle un banc en 3 machines avec des molettes. Aujourd'hui, c'est 3 clics et j'ai fait un montage. Donc ça évolue très très vite. Pareil, on ne reçoit plus la télé comme avant. Je suis capable de me connecter via le Wi-Fi sur ma tablette et je vais pouvoir regarder ma chaîne. Donc les candidats qu'on va vouloir, c'est des gens voilà, qui sont friands de cette technologie, presque des geeks.